Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo sur mon stage en entreprise dans un service marketing. J'avais trop hâte de vous la tourner parce que j'ai adoré ce stage. Cette année, j'étais en DUT technique de commercialisation et pour clore ce diplôme, on doit réaliser un stage de 2 mois en entreprise. J'ai décidé de l'effectuer dans un service marketing car j'adore le marketing tout simplement. J'avais très envie de vous faire cette vidéo-là tout simplement pour vous expliquer concrètement en quoi consiste un stage en marketing en entreprise, voir quelles sont les missions que vous allez pouvoir faire, quel est vraiment l'intérêt du marketing dans une entreprise. Je vais donc vous parler des missions que j'ai réalisées dans l'entreprise. En premier, je vais vous parler de la veille concurrentielle, c'est un aspect très important du marketing, ça a été une grosse mission pour moi. En second temps, je vais vous parler de l'élaboration packaging, j'y ai participé et j'ai beaucoup aimé cette mission également parce que c'est très créatif. Et en dernier, je vais vous parler du service client qui est assez lié au service marketing au Crudette dans l'entreprise où j'ai réalisé mon stage. J'espère que ça vous plaira, mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est parti! En effet, chaque matin, je me suis rendue à l'entreprise Les Crudettes pour effectuer mon stage de marketing et communication. Ce logo ne vous évoque peut-être rien, pourtant c'est sûr, vous l'avez déjà vu dans les rayons en grande surface. Les Crudettes, c'est une marque d'agroalimentaire qui produit des salades en sachet qui sont vendues en grande surface. C'est une entreprise de plus de 500 salariés qui se trouve à Châteauneuf-sur-Loire, vers Orléans. Mon stage a commencé très fort. Dès le 4e jour, je me suis rendue en shooting photo pour effectuer de nouveaux packshots. J'ai aussi eu la chance d'accompagner ma directrice marketing lors d'un tournage avec TF1, présentant les acteurs locaux d'une région. Nous avons notamment présenté les crudettes et nos salades. Ma première grosse mission au service marketing, ça a été de la veille concurrentielle. C'est tout simple, en marketing, on surveille nos concurrents. C'est le concept de cette veille concurrentielle, c'est de surveiller la concurrence, leur prix, leur actualité de marque. En fait, cette veille concurrentielle, elle s'est effectuée en réel, c'est-à-dire en magasin. Donc j'ai été faire des tournées en magasin pour faire une veille concurrentielle. Et j'ai également effectué une veille concurrentielle sur les drives et également sur Internet. J'ai dû élaborer un panorama sur Excel, c'est tout simplement un fichier Excel regroupant toutes les salades qui existent sur le marché pour les marques de distributeurs. Les marques de distributeurs, ce sont les marques de Auchan, Super U, Carrefour, etc. En surfant sur les drives dans un premier temps, ça m'a permis directement de découvrir le marché et ses produits et d'en apprendre plus sur la salade. Ensuite, la deuxième mission qui m'a été confiée en veille concurrentielle, c'est de visiter les magasins de la région et d'aller voir les mélanges de graines qui existent déjà. En fait, les crudettes vendent des salades et veulent rajouter un produit additionnel aux salades, c'est-à-dire créer un mélange de graines crudettes. Pour créer un bon mélange de graines, on fait une veille concurrentielle pour voir ce qui existe déjà sur le marché. Hello, ce matin, j'ai été chargée d'aller acheter des graines à Carrefour, tout simplement parce que j'ai déjà fait Leclerc. Donc aujourd'hui, c'est pas Carrefour, comme vous pouvez le voir. Donc pour mieux vous expliquer, le but d'acheter des graines, en fait, c'est tout simplement de voir ce que font les concurrents dans leur magasin, ce que Carrefour, Intermarché, etc., toute la grande distribution, ce qu'ils distribuent en graines afin de les tester, de voir les mélanges, de voir le packaging, comment c'est présenté, le prix, enfin toute une analyse marketing. Et me voici à ma petite voiture de fonction et je vais aller maintenant dans un Auchan. Aujourd'hui, j'ai fait Carrefour, là, comme vous pouvez le voir. J'ai de nouveau créé un panorama des marques de distributeurs, mais cette fois-ci pour les salades traiteurs, c'est les salades snacking qu'on mange le midi. Pour chaque enseigne, on répertorie en fait tout ce qui existe en salade traiteur, donc j'ai visité les magasins et je l'ai également effectué sur le drive. J'ai adoré cette mission-là. La mission cool de mon stage, c'était de se rendre sur Paris pour visiter les enseignes parisiennes comme Monoprix et Franprix et répertorier toutes les salades traiteurs existant sur ce marché. En une journée, j'ai fait les 4 coins de Paris pour trouver les meilleures salades traiteurs chez les Monoprix. Ici, on est au Monoprix des Halles, c'est le plus beau rayon traiteur que j'ai vu. Regardez-moi ces assortiments, c'était magnifique. J'ai adoré cette journée de visite sur Paris. On vous le dira sûrement dans ce domaine-là, la base du marketing, c'est découpage et collage. J'ai dû aller à l'usine découper différents packagings pour les ranger dans nos catalogues produits. Aujourd'hui, je suis chargée d'être à l'atelier traiteur pour découper toutes les petites étiquettes et les mettre dans mon carton afin de remplir les catalogues marketing pour voir tout ce qu'on a déjà en gamme de salades et toutes les salades qu'on produit déjà pour Carrefour, Auchan, Aldi, etc. Ensuite, j'ai continué à faire la même chose dans un autre endroit de l'usine, mais pour les salades en sachet cette fois-ci. C'est assez rigolo parce que ce sont de gros rouleaux qui sont beaucoup plus lourds que moi. J'ai vraiment galéré pour les dérouler à chaque fois. Mais j'ai bien aimé cette mission-là dans l'usine, ça changeait un petit peu. Découpage, collage, la base du marketing.
Ma deuxième mission au sein du service marketing, ça a été de participer à l'élaboration packaging. Ces packagings-là, ils sont faits et créés au service marketing en premier temps, et d'où par l'idée tout simplement, et ensuite l'idée de base, elle est envoyée à une agence de création qui va pouvoir la rendre imprimable pour qu'elle soit mise en magasin. J'ai réalisé ces photos-là afin de mettre à jour le nouveau packaging des ciboulettes crudettes cultivées en France. Grâce à cette photo, je vais pouvoir réaliser la nouvelle étiquette en design et ensuite transmettre mon croquis à l'agence de création qui s'occupera de réaliser le design final. Ma deuxième mission en élaboration packaging a consisté à mettre à jour les packagings présents sur le Carrefour Drive. On a décidé de grossir les informations présentes sur nos packagings. J'ai réalisé les premiers croquis de ces packagings qui ont ensuite été refaits par les agences de création pour les packagings finaux. On a décidé de grossir le nom de la marque, la variété de la salade, son format et également le nombre de parts. Cela permet d'avoir les informations directement en tête et de reconnaître plus rapidement la marque. Ma troisième grande mission, ça a été de m'occuper un petit peu du service client. En fait, au marketing, au crudette, le service client et le marketing sont assez liés. On a certaines demandes de clients ou de collaborateurs qui sont à gérer par le marketing malgré qu'il y ait un service client. J'ai donc dû parfois envoyer des colis à des collaborateurs, des bons de réduction ou également des cartes. J'ai dû me rendre assez souvent à l'usine, j'ai beaucoup aimé, c'est assez sympa de se balader dans l'usine, d'aller chercher son colis, de le préparer et ensuite de l'envoyer à ton client. J'ai trouvé ça assez cool, donc je l'ai fait pour le service marketing. Donc là, c'est l'heure de s'équiper. Je dois aller à l'usine pour faire un colis pour une influenceuse à qui on doit envoyer des produits crudettes. Donc pour faire le colis, je dois bien évidemment aller aux expéditions, chercher la commande que j'ai passée aux expéditions pour qu'ils me sortent mon colis. Donc pour ça, j'ai besoin de ma petite polaire et j'ai également besoin de mes bottes. C'est parti! Ils m'ont préparé mon colis juste ici dans l'usine à l'expédition en fait. Donc voilà à quoi ressemble le colis. Je devais rajouter des petits croutons. Au crudette, en marketing, on s'occupe également du service client. Souvent, une fois par semaine, je suis chargée d'envoyer des bons de réduction aux clients qui ont envoyé au service client une réclamation. J'envoie une petite carte comme celle-ci avec écrit « Les crudettes ». Pour conclure, j'ai adoré mon stage au crudette. J'ai eu de super missions, des missions qui m'ont été confiées assez importantes, des missions avec des responsabilités. Ils ont su me faire confiance et j'ai beaucoup apprécié. Ça a valorisé mon travail. J'ai d'ailleurs conclu mon année avec de super notes sur mon stage. J'ai eu 15 de moyenne à mon stage sur le rapport et également sur la soutenance. Donc très contente. J'ai adoré l'entreprise Les Crudettes. C'est très sympathique, c'est très convivial. On est content d'y aller le matin, on a la patate là-bas. J'adore cette entreprise-là, tout le monde a été très sympathique avec moi. J'ai kiffé et j'y retournerai avec plaisir dans cette entreprise. J'ai beaucoup aimé. Mes missions m'ont beaucoup plu en marketing. Ça m'a confirmé que je voulais poursuivre mes études dans ce milieu-là. Donc je suis très contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous résumer au mieux mon stage et de vous l'expliquer au mieux. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.